Les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois d'août. Donc voilà, j'avais envie de faire les favoris du mois d'août parce que c'est la fin du mois d'août tout simplement. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous faire ce favori quoi. Et aussi, je vais voir si c'est des top or flop. Donc ouais, ce sera une vidéo deux en un. Voilà. Et désolé pour mes cheveux, ils sont encore un petit peu mouillés, mais je viens de sortir de la douche donc bref. Voilà. Donc pour commencer, pour mon premier favori, c'est un lait pour le corps, le petit Marseillais. Donc attendez juste. Oui, donc c'est un lait pour le corps, le petit Marseillais. Donc il est juste génial. C'est un lait hydratant, et pour le corps bien sûr. Et c'est au lait de coton, coquelicot et amande douce. Donc je vous le recommande vraiment celui-là. C'est un génialissime. Il est juste génial. Faut pas que je fasse comme ça parce que sinon tout va couler. Donc voilà. Il est vraiment génial celui-là. Enfin, moi je sais très bien que je m'en mets tout le temps après la douche. Et vraiment, déjà ma peau est très 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 sec en vrai. Et du coup quand je mets ça, ça va aller hydrater et tout ça. Et ça va vraiment mieux. Voilà, donc premier article. Désolée pour mes ongles, ils sont pas faits. Enfin, ils ont été vite faits. Bah non, ils sont pas faits. Ensuite, donc quoi, tu pioches juste comme ça. Hein. Deuxième favori. Donc il y en a qui sont vides, il y en a qui sont pas vides. C'est pour ça que je vais faire un top or flop. Hein. Voilà. Ah oui, et lui c'est un top. Hein. Voilà, c'est vraiment un top hit. Donc là, c'est encore un lait pour le corps. Enfin, non, un lait pour le visage. Moi j'appelle ça comme ça, un lait pour le visage. Hein. Ouais, un lait pour le visage de chez Mixa. Et bébé, mix à bébé. Hein. Donc en fait, je le kiffe. Celui-là, ça sent vraiment le bébé. Je m'en mets sur ma peau après la douche. Juste là, mais pas sur le corps. Lui, je me le mets sur le corps et lui, je me le mets juste sur la peau. Parce que lui, c'est pour le corps et lui, c'est pour la peau. Enfin, c'est deux pour la peau. Oui, bref, vous m'avez compris. Ouais, lui, je le mets juste sur le visage après que je me suis démaquillée le soir. Le matin, quand je sors de la douche. On dirait pas que je suis maquillée, mais en fait, si, je suis maquillée, hein, au cas où. Donc je le mets après après enfin, avant de me maquiller parce qu'il faut toujours un hydratant pour le visage avant de se maquiller. Ensuite, je passe au deuxième article qui a rien à voir avec les laits. Un démaquillant qui vient de chez Nivea. Donc lui, une copine à moi me l'a offert, donc Vanessa. D'ailleurs, Vanessa viendra prochainement dans une de mes vidéos. Donc voilà, donc c'est un Nivea démaquillant Dieu double action. Il m'en reste vraiment un tout petit peu, mais vraiment, je le kiffe. Il démaquille, mais alors super bien. Franchement, je le reconseille. Et oui, lui, c'est un top aussi. Hein, c'est un top, voilà. Et vraiment, je vous le reconseille. Parce qu'il démaquille super bien. Et Vanessa me l'a offert. Et voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Et puis, il démaquille vraiment super bien. Et c'est vraiment un top. Donc, je vais vous le montrer. Donc c'est vraiment un top. Ensuite, on va passer à autre chose encore. Hein. C'est un gel douche. Alors là, vous allez me dire, purée, mais elle sort des gels douche. Oui, je sors des gels douche. Donc c'est un gel douche pour le corps qui vient de chez DM. DM. Donc vous aurez pour mes mains, hein, 4T20. Qui vient de chez DM. Voilà. C'est Balea quoi, la marque c'est Balea et puis ça vient de chez DM. Balea DM, ouais, un des deux quoi. Et en fait c'est un gel douche au melon, à la pastèque. Il est marqué melon, on met ça à la pastèque parce que... Melon. Non, ok, donc ça en fait c'est à la pastèque, donc voilà. Ça sent vraiment très très bon. En fait j'aurais bien aimé vous montrer genre comment c'est à l'intérieur, c'est tout. On va essayer de faire une tâche très délicate. Ah. J'essaie de vous montrer ces verres. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, c'est vert. Ah, ça colle maintenant. Bref, il est juste trop bien, trop génial. Et puis, moi, voilà, moi, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Voilà. Et c'est un top et flop. Parce que c'est un top parce qu'ils sont bons et tout ça. Mais ils savonnent très très mal. Enfin, voilà. Top et flop.
Ensuite, troisième, mais non, peut-être pas troisième, cinquième article, c'est encore, enfin ça c'est plutôt un shampoing, c'est un shampoing qui vient de chez Garnier, genre Fructis quoi. Garnier Fructis, c'est trop bien. Ce shampoing, je le kiffe vraiment, 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 vraiment. Parce qu'en fait, c'est un shampoing pour les cheveux secs et abîmés. Donc là, c'est écrit en allemand, vous n'allez pas comprendre. Enfin, c'est pour ceux qui font l'allemand. Donc voilà, donc c'est comme ça. C'est pour les cheveux secs et abîmés. Et vraiment, pour les filles qui ont les cheveux comme moi en été, qui sont un peu secs, tout blair, enfin voilà, moi à chaque fois je rentre d'une piscine ou du lac, ils sont tous secs, tout cassés, tout ça. Du coup, je prends ça et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, j'en ai plus, malheureusement. Enfin, un petit fond encore, mais bon, pour ce fond, hein. Voilà. Et j'en ai presque plus. Et vraiment, celui-là, je le recommande vraiment pour les filles. Voilà, comme je vous dis, ils ont les cheveux secs et tout ça. Ça fonctionne vraiment bien. En plus, ça démêle super bien. J'avais aussi l'après-shampoing, sauf que je ne l'ai pas emmené ici. Parce que je le fais qu'une fois. Ouais. Un prochain fois, enfin, je l'ai oublié quoi, en tout cas. Et voilà, il est vraiment bien. Ensuite, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sixième article. Donc, c'est un déodorant. Et oui, vous allez me dire, purée, mais elle sort vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Oui, c'est un déodorant qui n'a pas de capuchon d'ailleurs. J'ai oublié de mettre un capuchon. Bien, bravo, Eva. Donc, celui-là, bah, il m'a été offert à mon anniversaire par Vanessa ou Léa, je ne sais plus. Bref. Voilà. Et en fait, c'est un déodorant Playboy. Playboy. Donc, ce déodorant est juste trop bien. Déjà, ils sont super bons. Et en plus, quand je le mets, lui, genre, je transpire pas. Enfin, voilà, je transpire plus. Genre, avant, quand je mettais un déodorant que je n'aimais pas trop, je transpirais beaucoup. Mais là, je transpire plus. Donc, la fille qui parle de ses transpirations en beauté, c'est magnifique! Oui, bon, faut bien en parler, hein. Oui, non, franchement, il est super bien. Mais bon, je pense qu'il coûte un peu cher, mais... je sais pas le prix, hein, puisque on me l'a offert pour mon anniversaire. Mais vraiment, il est bien. En plus, ils sont trop, 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 trop bons. Je sais pas ce qu'ils sont, mais ça sent bon. C'est parfois gourmand. Voilà, c'est... Ça sent très, 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 très bon. Très, très bon. Et là, c'est le dernier article, parce que j'en ai fait... Donc voilà, c'est le dernier article, c'est un mascara. Ah oui, ça c'est top. Voilà, c'est top, j'ai oublié de le dire, c'est top. C'est grave top. Et ça aussi c'est top. Voilà, c'est top. Et alors ça c'est un mascara que ma maman m'a offert pour mon anniversaire. Donc en fait c'est un mascara I Love Extreme. Il est juste trop bien. Donc c'est celui-là que je porte. Aujourd'hui. Et je vais vous montrer la brosse en évitant d'en mettre partout. Ah bah bien sûr, j'en ai mis partout. Et quand je mets un petit peu de mascara, c'est pas comme ça. Voilà. Et donc c'est I Love Extreme de chez Essence. Donc je vous l'avais présenté dans mes cadeaux d'anniversaire. C'est un de chez Essence. Hein. Essence. Il est waterproof et voilà. Il est bien. Et c'est un top. Donc voilà les filles, les garçons, les hommes, les femmes. Bref, ça je l'avais déjà fait le coup dans mon autre vidéo, dans mon ancienne vidéo. Ok, je suis complètement tarée. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais si elle vous a pas plu, ben tant pis pour vous. Hein. Moi en tout cas, ça me plaît bien de les tourner. Donc voilà les filles, les garçons. Et en fait, avant de vous quitter, je vais juste vous parler un tout petit peu. Parce que j'oublie, hein, bien sûr, j'oublie tout, moi. J'oublie vraiment tout. Donc, en fait, je vais faire une vidéo avec mon papa bientôt. Et je vais faire un Getting Ready With Me. Les vlogs, je ne peux pas, en fait, du coup, je ne vais pas faire de vlog. Mais Getting Ready With Me, c'est sûr que je vais en faire un. Mais genre, pas avec deux voix, genre sans voix. Voilà. Vous verrez, ce sera juste avec un petit peu de musique. Et... quatrièmement, si Vanessa veut bien, je vais faire une vidéo avec elle. Donc voilà les amours, je vous fais plein de bisous, bisous, poutou, poutou, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Je vous fais plein de bisous et bye bye. Et faites l'amour, pas la guerre. Bisous.